Salut à toutes et à tous, ici BibiTM. Et Cinéa. Et on se retrouve pour une nouvelle partie de Yoshi's Woolly World. Je voulais dire New Island, bah ouais, c'est des vieux réflexes qui reviennent. Et comme vous pouvez le voir, on m'a remis en Yoshi fleur moche, je sais pas ce qu'ils ont avec ça, pourtant je l'ai jamais pris, je comprends pas. Mais en tout cas, j'ai un nouvel amiibo dans la main, alors je vais tout de suite découvrir. Ah, oh, impossible de lire les données, pourquoi? Ah, parce que je l'ai laissé trop peu de temps. Ouais, est-ce que vous l'avez reconnu? Pourquoi il y a du vert sur ses yeux? J'en ai aucune idée. Bref, j'ai pris Fox. Voilà, j'ai pris le petit Fox de l'amour. On va voir en jeu s'il est un peu mieux fait. Là, j'ai pas trop eu le temps de voir. Je sais pas pourquoi ils ont mis un truc vert sur les yeux. Ou alors c'est pour faire son petit... Il a une espèce de Google Glass, là, la Vegeta. Vegeta sur le côté. En tout cas, j'ai un tout petit museau. Regardez comme c'est dit pas mignon. Ouais, je pense que c'est ça en plus, hein, le petit patron. Ah, je pense que c'est ça. Attention. Wouh, boost. Moi, je coupe dans dedans. Mon truc. Alors lui, je sais même pas si je l'avais déjà vu quand on a joué au jeu avant qu'il sorte chez Ryoga, Teox et Creo. Donc vas-y, hein, vends-moi du rêve. Ah non, c'est moi. J'y donnais, mais elle, le contrôleur pro, ça allait pas marcher. Est-ce que vous l'avez reconnu? Putain, il ressemble trop. Il ressemble pas. En même temps, je vais pas forcément les blâmer de ouf parce que. Je pense que avec la forme de Yoshi, de toute façon, il y a forcément des patrons. Genre, tu peux pas faire des ailes sur un Yoshi. Il y a pas, sur son dos, lui, il y a rien. Donc, voilà, c'est des patrons. C'est histoire de rappeler un petit peu. C'est sûr que moi, on dirait déjà plus Fox quand même. Moi, on dirait pas. Toi, regarde, à part les petits picots qu'on a derrière le crâne, bah forcément, ça fait pas très. Y a pas de quoi faire des fleurs. Ouais, t'as des espèces de sandalettes un peu gréco-romaines. Ouais, t'as un peu. Oh, quand même. La dernière fois, on s'était laissé, on avait fini avec le petit fort qui avait une musique fort sympathique. Et là, je suis en train de me dire que ça va prendre une éternité pour faire le jeu à ce rythme-là. On est tellement long. Pelote plus grosse ou impossibilité de tomber dans un trou. T'as pris ça? J'ai rien pris. Ah non. 7500, impossibilité de tomber dans un trou. En gros, c'est si vous tombez, vous allez avoir un vieux rebond qui va vous remettre en l'air. C'est un petit peu pété. Enfin, c'est pour aider, hein, les badges. Qu'il est mignon. Oula, le deuxième, je sais pas trop ce que c'est, une espèce de règle avec un truc. J'avais presque peur, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Et c'est parti, hop, je me remets. Oh merde, je croyais que j'étais perso à gauche, je voulais aller voir là-bas. Bah non, mais. Oh, tiens, je savais même pas. Ah non, on peut le faire. Je me demandais, est-ce qu'on pouvait le faire dans toutes les directions? Est-ce que je peux le faire vers le bas? Ah bah non, forcément, ça fait. Oh, merde. Oh la vache! J'étais loin, hein. Mais je pensais pas que j'allais te jeter aussi loin. Ah, un petit stage avec des petits moulins. Le saviez-vous, le savais-tu? Quand est-ce que Yoshi a été en création, selon toi? Pour quel jeu? Non, le personnage de Yoshi. Quel jeu? Un jeu de dinosaures, je sais pas. Bah non. Pour Mario, déjà, mais quel Mario? Oh merde, faut que je meurs face aux touches. Non! T'as tout niqué mes pelotes! Je sais plus comment on lance! Oh! Oh tiens, regarde! Pour quel jeu? T'as vu ça un peu? Ce protisme, je l'ai vu qu'à la fin, hein, qu'il y avait un autre sur l'arbre! Pour quel jeu, Mario? Bah, je sais qu'il y est dans Super Mario World! Ouais, c'est sa première apparition! Mais il a été prévu à la base pour Super Mario Bros 3, si je ne m'abuse! Et apparemment, à cause de soucis techniques, en gros, que la NES aurait pas pu gérer Yoshi et son comportement, ils l'ont pas mis jusqu'à avoir la Super Nintendo qui permettait forcément d'avoir un peu plus de puissance et tout. Mais je trouve le... Merde, je me trompe de touche. Je trouve le... Ah, mais non. Ah, comment je peux faire? Moins. Voilà. Ça, c'est du bien joué. Mais c'est par dur, contre, y a plus de pelote. Bah non, bah il faut juste pas. En plus, je peux même plus. Ah bah non, c'est bon, tu les as tous pris. Ouais, je crois moyen. Ah, il y a des petites pelotes. J'y crois un peu moyen leur truc. Je pensais plus un manque de temps parce que la NES elle a pu gérer énormément de choses quand même. Des jeux ambitieux, etc. Donc ça m'étonnerait franchement que. Yoshi, qu'est-ce qu'il fait à part aller un peu plus vite que Mario? Mais ça, c'est très largement faisable. Et il tire la langue, il absorbe des ennemis. Ça, je pense que sur une console comme la NES, c'était largement faisable. Oh merde! Comment? Bah, je sais pas, pourtant j'étais en train de viser, je pensais pas que je bougeais. Allez, mon petit Yoshi revient. Donc, je sais pas. Après, je suis pas développeur, hein. Ils ont sûrement plus raison que moi. Mais je sais pas, la raison me paraît un peu bizarre. Oh là, t'as eu de la chance! Ah bah alors.
Slurp. Ah merde, c'est quoi ça? Ah, faut peut-être le gober. Ou alors qu'il... Ah, il va peut-être nous ouvrir un truc. Ah. Ah oui, parce qu'on n'a pas débloqué de patron depuis un moment. Hein. On va essayer de trouver toutes les petites pelotes de ce stage, tiens. Allez, hop. Une nouvelle, peut-être une fleur. Ah non, j'ai des petites... Des petits tampons miverse. Alors, attends. Là, j'ai le shot du feu du dieu. D'accord, magnifique. Ah. Oui. Oui. Oh là, je l'ai abandonné. Oh, je l'ai abandonné. Ah, parce qu'il n'y a pas de petits nuages invisibles. Invisible. On les voit pas. Nye. Ah, cool, la petite fleur. Ah, c'est que là... Ah non, ouais. Je croyais que c'était que la première. Je me suis dit non, le stage, il est assez long. Alors, je crois... Enfin, j'ai entendu qu'il y avait que 5 mondes dans ce jeu. Alors, je sais pas si c'est une info ou une intox. Ça me paraît peu, mais après, les stages sont plutôt longs. Alors, on va essayer d'éviter de tomber comme une grosse daube. Les stages ont l'air plutôt longs, donc ça prévaudrait sur le nombre de mondes. C'est quoi ça? Ah oui, ils étaient déjà dans Yoshi's New Island, les espèces de... Moi j'appelle ça des courants d'air personnifiés, alors je sais pas si après il y en a qui disent plutôt que c'est des fantômes ou quoi. Oui. Ah t'as plus de pelotes? Non. Bah, tiens, tu peux les gober au pire et en faire des fantômes, des fantômes pelotes. J'imagine qu'on peut aller là-dedans. Mais avant, je sais pas. Ah non, même pas. Mon intuition me joue des tours. Attention. Yeah. J'ai raté. Yep, troisième fleur. Allez, si on pouvait faire un petit 100% dans ce niveau, ça fait un moment qu'on en a pas fait. Hop, prends les pelotes. Hop, toi tu te dégages. Et voilà, on est full. Alors là, il y a un tuyau bleu. Hein. Ah oui, d'accord, j'ai vu, il va falloir... aller sur le machin et... Oh là là, tant de skills, ça m'émoustille. Alors par contre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ah oui! Oh, j'ai fait un combo! Je pensais pas que ça pouvait... Ah là, j'ai vu un truc! Une grosse pelote! Désolé, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai récupéré ma grosse pelote. Ah là, tu pouvais en avoir une autre aussi. J'ai l'habitude de faire. Deux big pelotes! Et voilà, parfait! On a une fleur? Ou pas? Il y avait rien? Non, il y avait que une pelote. Ah, crotte! Ah, désolé, j'ai essayé de te protéger des ennemis. T'aurais pu te recharger un peu en pelote là-bas. Ouais. T'as un peu de chance. Ah oui, les grosses pelotes, en fait, je pense que ça peut faire une réaction en chaîne. Alors, on peut pas monter là-dedans. Peut-être dans le prochain. Pendant celui-là. Non, j'ai pas l'impression. Attends, je pense avoir bien été dedans. Oui. Ah mince, j'en ai fait deux. Oh non, je me suis fait couper. J'ai fait... On a presque le nouveau patron. Par contre, on a plus de boules. Ah, mais si, j'en avais. Attends, bouge pas. Voilà. Comme ça, lui, c'est fait. Et je pense que là, on peut. Si j'y arrive. Ou pas. Bon, bah, apparemment. Par contre, là, des fois, ça donne un petit bonus. Non, même pas. C'est la tristesse. La tristesse. Sinon, la Japan Expo est passée récemment. Oh là 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 là. Ça, on me la fait pas à moi. Oh, des petits cœurs. Désolé, j'aurais peut-être dû t'en laisser un peu. La Japan Expo est passée. On a pu vous rencontrer tout plein de monde. Enfin, tout plein de monde. Tous ceux qui venaient, en tout cas le samedi, c'était franchement super sympa. Je vais pouvoir enfin mettre parfois des visages. Eh, mais il n'y a que des énormes. Des visages derrière des pseudos. Voilà, des visages derrière des pseudos. Oh là là, t'as, je crois que tu les as tous mis d'un coup. Bah, on va pas s'en priver, hein. Vas-y, on recharge. Hein. Et ça ferait un mode comme ça si on avait mis le badge que des grosses pelotes. Donc ouais, ça nous a fait plaisir. En plus, on a pu tester quelques jeux sur le salon, notamment le nouveau Zelda pour la 3DS, la Triforce Heroes. Désolé, j'étais un peu poussé. Hop. Ah non, je pensais réussir à faire 3 avec la largeur de ma boule. Ouh. Ah non, dommage. Donc j'ai pu tester en tout cas Zelda Triforce Heroes. Je crois que toi, non, tu l'as pas testé. Non. On l'a testé en compagnie de Iguette et de Tutur, hein, si vous les connaissez, ils ont une chaîne YouTube. Et c'était franchement très sympa. J'avoue que j'ai un peu craché sur le jeu quand... enfin, craché, non, mais... Quand ils l'ont annoncé, parce que j'étais pour un nouveau Force Wars, ou en tout cas un Zelda multijoueur. Par contre, je trouvais qu'ils s'étaient pas foulés... merde, désolé. Ils s'étaient pas foulés côté design et... Ah, oh, mais je... Oh yeah. Côté design, etc., ça avait pas l'air méga beau et tout. Mais par contre, c'est clair que on s'amuse énormément. Pff, j'ai voulu te sauver un peu. Hein. Youp. On s'amuse énormément grâce au mode 3 joueurs. En plus, on peut se porter les uns les autres et donc faire jusqu'à 3 lignes qui sont sur leurs épaules, histoire de résoudre des énigmes ou de battre des boss. Ils ont vraiment utilisé. Pourquoi même on l'a déjà. Ah oui, j'avais pas vu.
Salut, je te vole un peu tout. Y'a que toi qui l'avais vu, c'est moi qui prends tout. Il me vole toutes mes victoires. Ah bah oui, je suis comme ça, moi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc même pour les boss et tout, ils ont pris... fais moins, si jamais tu sens que tu vas pas pouvoir remonter. Ah, attends, j'ai bien envie de l'avoir. Il y a encore une... Il y a un diamant, là, surtout. Oh, presque. Nice. Pourquoi t'es parvenu? Donc voilà, finalement, ce sera sûrement un très bon jeu. Avec tout l'amusement d'un mode coop local. Non, c'est online d'ailleurs, c'est pas local, c'est que online, il me semble. Donc une bonne pioche, franchement, j'ai été agréablement surpris. En même temps, je sais pas trop pourquoi je doutais, hein, Zelda en multijoueur, ça a toujours été source de fou rire et d'amusement. Je me souviens d'ailleurs de parties sur Force Words, même jeu seulement en duo, mais franchement c'était super marrant. Donc une bonne pioche. Ah, attendez, j'ai pas tout pris là, je crois. Si, c'est bon. Une très bonne pioche. Après, qu'est-ce qu'on a testé d'autre? T'as testé quelque chose, toi? Je suis même pas sûr. Je crois pas. Ah, t'as rien testé, tu nous as juste regardé jouer. J'ai testé le nouvel Animal Crossing. Ah oui. Mais ils avaient un super fond. Ouais, une super pub pour le Animal Crossing. Ah merde, désolé. Bah, je pensais pas que ça allait traverser. En fait, j'ai pas l'habitude des grosses pelotes. Viens, rejoins-moi. Toi, le petit Pascas. Hop! Boum! Ah, j'ai même pas vu. Oh non, mais vas-y toi. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y avait une super pub et tout, papier, genre sur un énorme mur de la Japan, Animal Crossing Home Designer, là, je sais plus, Happy Home Designer, je crois que c'est ça le titre. Et puis rien, aucune 3DS qui permette à d'y jouer, c'était que des 3DS pour jouer à Dragon Ball. Et à Xenoblade. Et à Xenoblade, donc voilà, on était un peu... c'était un peu décevant, en tout cas pour Jordana et Signia. Qu'est-ce que je t'ai pris? Oh, un petit diamant. Dommage, on n'aura pas de stage spécial pour ce stage-là. Sinon, moi, j'ai joué un peu à Mario Maker en compagnie de Umi. Enfin, de Wolfie, je sais jamais trop par quel pseudo je dois l'appeler. 15 cœurs, 14 cœurs. Ah, on est... Yes. Est-ce qu'on a quand même le petit patron? On va le savoir. Yeah. Alors, noir, blanc, rose, blanc, noir. Et on a tous les tampons. Ah ouais, tous les tampons. Ah, on a bien GG, là. Je vois pas du tout ce que ça pourrait être comme patron, un patron plutôt gris-noir. Dans ce stage, on n'a pas vu grand-chose qui ressemblait. Non, je crois pas qu'on ait de rose aussi. Bah si, on a du rose. Ah ouais? Ah bah peut-être, je sais qu'en plus il y a Yoshi Meumeu. Mais moi je préfère mon Yoshi Fox, il est plus classe. En plus c'est bien, on voit les petits patrons. Ah ouais, ça doit être ça. Yoshi Meumeu. J'ai gagné. Et lui, je le trouve réussi. Je trouve que ça va bien avec le gros nez de Yoshi, le gros pif rose. Même si ça fait un peu genre, j'ai bu un peu trop de vodka la veille. Lui, vous savez quoi, je le prendrais éventuellement avec plaisir. Mais bon, pour l'instant, j'ai pris Fox. C'est quoi cette espèce de stage, là? Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Ok, magnifique. Ah, nous aussi, on pourrait poster des messages Miiverse jolis. Boum, boum, et gros... J'ai pas vu. Pelote grosse, impossibilité de tomber dans un trou. Niveau fini instantanément. Ah oui, ça, c'est vrai qu'il faut... il faut mettre le mode relax. Est-ce que t'as envie qu'on fasse un niveau en mode relax pour voir? Non. Non. Voilà, je lui propose, histoire qu'on voit un petit peu comment ça se passe et tout, si ça lui plaît plus. Et elle me recale comme ça, comme une Non, j'ai envie de jouer comme une gameuse. Oui, donc avec Umi, on a testé un peu Super Mario Maker, donc qui sortira sur Wii U le 11 septembre en Europe et en Amérique. Attention, bombe. Ah, je sens qu'on peut faire péter les rondins là, non? Oh là 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 là. Je sais pas, je... Ah, regarde. T'as vu là sur la gauche, l'étiquette? Genre la pelote de laine et tout. Oup! Oh oui, en plein dans la face. Même si c'était peut-être pas la meilleure des idées. Là, je pense qu'il va falloir les laisser vivants. Les petits... Oh là, oh! Attention! Boum! Il va falloir les laisser vivants, les petits masques qui crachent des bombes, parce que... Go, 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 go! Ah, nickel! Oh, yeah. Oh le pauvre! Ah, c'est toi? Eh, c'est lui qui s'est fait péter tout seul. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, que nous on n'avait pas servi à grand chose, mais. Oui! Allez, je t'en laisse un peu. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, c'est pas mal. Et donc, Super Mario Maker, eh ben, c'est une grosse surprise pour moi. Oh la vache, heureusement que j'ai envoyé assez loin. Pour moi, je pensais pas que ça allait être aussi intuitif et aussi bien foutu, aussi permissif. Finalement, je suis très hypé pour le jeu, tellement hypé d'ailleurs que j'ai précommandé la version bundle. J'ai pas envie de dire, oh, désolé, hein, tu as pas senti passer, tout va bien. Par contre, on aurait peut-être dû attendre un peu, parce que là, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose, et que là, va falloir troller à deux. Bah tiens, viens. Désolé pour tes pelotes.
Oh non, non, je t'ai mal envoyé. Peut-être comme ça. Boum. Là, il y a forcément un truc, regarde, voilà. Allez, j'ai pas de pelote. Hop. Eh mais si ça, c'est pas du bien joué, là, je sais pas ce que c'est, quand même. Et donc, voilà, j'ai pris la version bundle. J'ai pas envie de dire que c'est une version collector, parce que pour moi, collector, c'est vraiment genre un truc limité. Oh, des bombes. Alors, oh la vache. Ils sont tous fait... Bah ouais, mais ils sont tous fait incendier, les pauvres. Hop, on va déjà faire une petite plateforme. Il nous en faut pourquoi. Aïe. Mais c'est con, ça. T'as même pas le temps de réagir avec les bombes. Donc j'ai précommandé la version bundle avec l'amiibo 8 bits Mario. Voilà, je fais mon petit fanboy, c'est un nouvel amiibo que je vais avoir. Bah en fait, sur les photos, quand ils l'ont annoncé, je le trouvais moche. Parce que de la 8 bits en 3D, ça me faisait bizarre et c'était pris sous des mauvais angles. Ah merde, attends. Boum. Et en fait, bah il est plutôt réussi, donc prends les cœurs parce que t'en as plus besoin que moi. Il est vachement réussi. Et en plus, dans ce bundle, il y a aussi un petit artbook. Rien de bien folichon, hein, mais un petit artbook avec différentes images concernant Super Mario Maker, un peu les possibilités du truc et tout. Donc, ça peut être sympa. Alors, attention, je vais essayer de prendre la bombe. Voilà. On va essayer d'aller par là-bas. Peut-être qu'il y aura... Oh là. T'as fait la confrontation. Alors, ça, c'est une transformation. Ah bah non. Je vais le cracher avant que ça me pète dans la bouche, parce que je pense que ça peut... Ah, ça sent la transformation, là. Et donc voilà, j'ai pris le super bundle sur Amazon, comme ça je me suis dit, je l'aurai. Et je vous demanderai bien sûr d'en faire... Oh là là, Mega Yoshi détruit tout sur son passage. Je crois qu'on l'avait déjà eu, non? Oh, je sais plus. Allez, c'est parti. Bah alors, on peut pas... Ah oui, il faut faire... On fait plus de coups de langue, en fait, ça fait des coups de queue. Quand tu fais... Par contre, sauter, c'est toujours la même touche. Boum, boum, boum. Hop, un petit peu de temps. Malheureusement, faut pas traîner, parce que des fois, ça peut être un peu juste. Hop là, coup de queue. Boum. Ah, attention. Gros coup de cul. En plus, il y a des trucs pour les patrons, donc faut pas le rater. Hop. Clac, 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 clac. Attention. Coup de cul. Il nous reste combien de temps? Encore 20 secondes, ça c'est pas mal. Nintendo a un truc avec les géants. Oh là là. Petit ramage. Un truc avec les transformations en géants. Depuis New Super Mario Bros. Sur DS, ils aiment bien rendre les personnages gros. Que ce soit dans Super Mario 3D World. Oui. Yeah. À 4 secondes, tape là. Yeah. Donc voilà, Super Mario Maker, je vais vous demander d'ailleurs de créer les stages, et puis de les partager sur internet, que je puisse les faire et voir un peu si vous avez du skill, si vous êtes un futur développeur en devenir, ou est-ce que vous êtes un peu plus comme moi, un mec qui sait pas trop ce qu'il fait quand il crée des niveaux, qui sait même pas si c'est faisable au bout du chemin ou pas. Donc voilà, Super Mario Maker, franchement, la petite surprise de cette Japan Expo, j'en attendais vraiment moins. Désolé, j'étais un peu rebondi sur la tête. Attention. Oh merde. Ah mais des fois c'est pas facile, alors attention. Voilà, ça c'est parfait. Oh. Attends, je vais te sauver. Oh, oui. Ça lui marche plus qu'un cœur. Ah. Alors. Boum. Boum. Ça c'est bon. Que... Boum. Yes. Normalement c'est bon. Tu peux me rejoindre, y'a plus rien. Boum. Voilà, parfait. Alors par contre, y'a rien d'autre. Parce que je vois des... Allez, ton petit Yoshi, vas-y, bouge pas. Oh, regarde. Oh, la tristesse du pou. Je la récupère en plus au passage. Hop. Après, qu'est-ce que j'ai testé, moi, d'autre? J'ai testé dans un contexte... Ah, mais il y avait des trucs qu'on n'avait pas pris, là. Okay. Bon, je pense que c'est bon. On va juste... Hop, dans le doute, prendre une petite bombe en... Ah bon, remarque, il y en a d'autres. Le pauvre. Alors là, clairement, il y aura besoin d'une autre bombe. Là, clairement, il y aura besoin de cœur. Hop 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 hop. Bah ouais, mais je sais pas trop où sont les... Alors ça va faire le... Ça va faire le petit escalier. En petite laine. Ouais, dans un registre complètement différent, j'ai testé Street Fighter V, donc sur PS4, en compagnie toujours de Oumik. J'ai mis sa pâtée d'ailleurs, hein. Bah, alors pour ceux qui connaissent Street Fighter, j'ai pris Bison. C'est un personnage emblématique quand même. Boum. Bon. Ah, je sais pas s'il faut... Ah. Il a mis 40 ans à tomber, le bordel. Donc voilà, Bison, parce que moi c'est un personnage qui me parlait et tout. Street Fighter 2, j'y avais joué quand même à l'époque chez des amis et tout. Je pense qu'on a tout fait ici. Hein, Monsieur Bison. Ouais, Mister Bison. Qui a une voix de fou là dans l'animé. Ah. Ah mince, désolé. J'ai même pas pensé que t'en avais plus beaucoup. Alors, j'ai essayé de tout faire péter. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Ah, faut faire attention ici. Je sens que tout péter d'un coup, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Ouais, j'ai fait de la merde là. Non.
Attends, je crois qu'il faut aller reprendre des bombes. On va en prendre chacun une dans la bouche. Vas-y, viens, viens. Bah, tu l'avales tout simplement. Car j'en ai une dans la bouche. Normalement, il y en a qui revient. Voilà. Et on va. Ah bah merde, il repop en fait. Et on va tenter, genre. Ouh! Voilà, j'ai réussi à envoyer ça. Et là, tu vois en fait. Comment je fais? Bah, tu la recraches maintenant. Mais je sais pas comment faire. Bah, la même touche que tu le. Pour l'avaler. Ouh la vache. Là, ça va être compliqué un peu. Alors, hop, je vais faire péter ça déjà. Désolé, je te balade un peu dans tous les sens. Mais c'est pas pratique là quand même. Hop! Tu viens d'en manger une l'eau. Voilà! 20 sur 20, c'est bon, on a tous les tampons. Donc ça, on a plus trop à se prendre la tête avec ça. Par contre, je pense qu'il nous manque des. Ah voilà, il nous manque des patrons. Attention, je vais essayer de faire le timing parfait. Yes! Et on a tous les patrons. Bah parfait, hein. Franchement, là on est. On est GG! Ah bah c'est. Vas-y! Tu peux le faire. Yes! Bah lui on va le faire péter, voilà. Aïe. Ah mince. Et par contre c'est bizarre, il reste encore pas mal de petites Il y a une fleur là. Bah ouais je l'ai bien vu. Là j'essaie d'abord d'avoir tout ça. Allez ça. C'est bon pour moi. Wouh. Oh merde. Non, oh, toutes mes boules. Non mais si t'y arrives pas au pire voilà. Ah mais le problème c'est que. Ah vas-y remarque, la caméra a l'air d'être sur toi. Non mais vas-y moi je peux pas hein. Ah si, j'aurais pu faire select, mais là je peux plus. Bon, attends. Ah là, par là, voilà, c'est. C'est tout bête. Même si par contre ça m'a fait mourir. Donc voilà. Bah quoi. Bah ouais, mais j'avais pas. Donc voilà, petit Street Fighter 5, très joli, très fluide. Franchement sympa à jouer, même si je me souvenais plus du tout des différents combos qu'on pouvait faire. Non, tu veux me cracher peut-être. Ça a changé un peu. Magnifique. Oui, en plus j'ai eu la petite fleur. Donc voilà, possesseur de PS4, une valeur sûre, Street Fighter 5, hein, même s'il faut apprendre un peu les combos pour savoir bien jouer, parce que là c'était vraiment pas du beau jeu qu'on était en train de faire, on se faisait tout le temps les mêmes coups en rafale. Après, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Bah forcément, j'ai testé sur le gros stand Star Fox Zero. Hop hop hop, oh, on a tout eu, ça c'est beau. Par contre, toi, il te restait plus qu'un cœur. Star Fox Zero, alors que dire? Je pensais que le jeu était un peu graphiquement à la ramasse. Alors attends. Ah là, ça sent les coups de cul. Ah non, même pas. Il suffit juste de sauter. Oh bah ça va être simple. Go, 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 go. Toujours attention à la petite pastèque. Voilà, ça je m'en doutais qu'elle allait venir. Hop, hop. Ah, attendez, concentration. Il donne moins envie de manger des fruits que dans Pikmin, ceux-là, quand même. Hein. Faut un peu moins réaliste. Oh non, j'ai pas réussi à faire mon dernier saut. Yeah, Mr. Bibi. Donc Star Fox Zero, ouais, en fait, finalement, graphiquement, même sur leur télé, c'était vraiment pas top. Hein. Beaucoup d'aliasing, des textures baveuses, vraiment dignes de fin de GameCube, juste un peu liftées en HD. C'était vraiment pas mirobolant. Par contre, le gameplay, bah j'avais peur parce que vous avez trouvé sans écusson tampon. J'avais peur du gameplay parce que tout le monde disait que c'était compliqué entre le gamepad. En fait, avec le gamepad, vous bougez le réticule de visée, mais avec le stick du gamepad, vous bougez le vaisseau à l'écran. Donc en fait, ça fait deux visées à faire, deux mouvements à faire différents. Ah, Yoshi Maskas, un pif Maskas. Combien de temps? C'est 26 minutes par là, on va continuer un peu, histoire quand même d'avancer dans l'aventure. Et donc j'avais un peu peur de ça, mais finalement, ça, c'était plutôt jouable, il faut juste s'y faire. Il y a juste la transformation robot poulet là, où c'est jouable à l'extérieur, mais à un moment on a été dans un endroit confiné à l'intérieur d'un vaisseau et c'était vraiment pas globe pour battre le boss qu'il y avait dedans, je comprenais rien à comment j'étais en train de jouer, je me prenais des coups de partout, ça s'est vraiment joué, oh, j'ai martelé la touche de tir pour que le gars il meure plus vite que moi. Oh, un petit stage dans la plage, tiens. Et donc voilà, à part ça, je pense que c'est quand même de la valeur sûre. Surtout qu'il y aura des nouvelles transformations. C'est vrai ça, hein ? Il y aura des nouvelles transformations, enfin des nouvelles transformations. Des nouveaux véhicules, des nouvelles choses, donc je pense que ça va le faire. Juste il faut laisser à Nintendo encore quelques mois de développement et voir le produit final avant de juger trop rapidement de ce nouveau Star Fox. En plus j'ai plus le. Tu cherches quoi ? Le coup de cul ? Bah c'est tout simple, tu sautes et tu fais. En bas. Voilà. Oh puis en plus, heureusement que tu l'as fait parce que. Ah mince. Bon ça va, t'as repris du galon depuis la dernière fois. Comment j'annule. Ouais, des petits tampons miverses.
Miiverse, par contre, c'est vraiment un truc que... J'ai fait quelques dessins, quelques petits messages, mais... Ah, c'est cool, on peut nager, t'as vu? Et il me dit, Télis, est-ce que je peux encore viser? Ah non, par contre, je peux plus viser, donc il va falloir le faire à côté. Oh, oh, ah, cool, ça peut faire des ricochets, tiens. Les petites pelotes de laine, c'est mignon, ça. Donc, en fait, les stages, ils auront pas forcément une thématique, parce que là, on est quand même passé de la forêt, au bois, à la plage. Et il y a quelqu'un qui nous appelle au téléphone, mais y a pas de soucis. Oh, les petits chip-chip. C'est un peu... T'appelles au téléphone. Bah là, le téléphone de la maison qui est en train de... Ah, j'ai même pas entendu. Ah, c'est marrant, les petits... Ah, ah, c'est toi qui avais fait les petits ricochets. Alors oui, par contre, je pense que... Il faut leur taper dessus. Ah, peut-être quand ils cherchent... Ah non, attends. Yes, yes, voilà. C'est mignon de faire des petits ricochets, j'aime bien. J'espère que... Ouh, ça m'a... Ouais. Oh, yeah. Ah, ça, c'est marrant, ça. Généralement, c'est pousser les trucs, et là, c'est juste ça le rend visible quand on passe. Ah, attends, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc par là, là? Chaque fois, ces espèces de piaf en laine, au fond, j'ai l'impression qu'on peut les gober. Hop, hop. Oups. Hein, pourquoi tant de haine? Le petit fox. Donc voilà, Super Japan Expo, on a pu tester les derniers jeux Nintendo, vous rencontrer un peu. On s'est bien marré. Ouais, on a beaucoup ri. Après, à la fin, on est parti avec Jordana et Gatutur... Et une amie à Jordana manger au KFC le soir et tout, c'était franchement sympa. J'espère pouvoir vous voir à la Paris Games Week, hein, ceux qui n'ont pas pu venir à la Japan Expo, ou même revoir ceux que j'ai vus à la Japan Expo. Ça ferait très plaisir de vous voir enfin de vive voix et de vive tête. Si ça ne dit pas. Attention. Ouais. Oh, j'ai eu le premier coup de vieux. Attention. Boum. Alors par contre là c'est Ricochet Land. Ah. Ah non, fallait faire un ricochet, regarde. Youp, youp, youp. Ouais. So much. Alors, pour l'instant, dans les premiers stages, je pense que ça va. C'est pas trop compliqué. Attends. J'ai... Oh là 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 là, Mr. Bibi. Oh, Mr. Bibi. Ah, je sais pas, j'ai des intuitions. Ah, une nouvelle transformation. Transforme à fou. Ah, peut-être une sorte de jet ski ou de bateau, ça genre. Cool. Bah, vu qu'on est sur le thème de la plage, j'imagine que. Oh, ah, Yoshimoto. Ça... Oh, je demande pas une Yoshimoto, y'a pas de problème. Oh. Non, pourquoi je suis où? Mais je viens, mais attends. Ah, attends. Ouh. Attends, vite, faut tous les avoir parce que c'est des trucs. Oh là là, bon bah. Ah merde, comment on saute? Ah, pas de problème, je demande pas une Yoshimoto. Oh. Est-ce que ça fait des. Ah non, vite, il nous faut du temps. Où est le temps? Où est le temps? Allez. Oui, je l'ai eu. Oh là, qu'est-ce que je fous? Allez, go. Faut pas essayer de se bider. Ah ouais, ça fait vraiment des tampons, donc faut pas qu'on les rate. Pour l'instant, ça va, c'est safe. Hop, je passe en dessous. Mais je crois qu'il y a quelque chose en dessous. Non ! Pourquoi ? Ah non, il y avait rien. Il y avait trois fois rien, vite. Ah bah si, quand même, là. Mais apparemment, c'était pas... Allez, go. On a plus beaucoup de temps. Faut trouver du time. Hop. Vite. Ah mais c'est moi le premier, je crois que c'était toi. Non ! Non, oh purée. Ah ouais, mais au début j'ai perdu trop de temps. En fait, j'appuyais sur une touche, mais je savais pas trop ce que ça faisait. Ah bah, on peut le refaire. Ah bah cool. Ah bah oui, puis vu qu'on n'est pas arrivé au bout, ils vont nous le refaire jusqu'à ce qu'on y arrive en fait. Oui, bah ça on sait ce que c'est. Je faisais Y en fait, mais ça sert. Ah non, c'est un klaxon. C'est un éclaxon. Alors go, je vais essayer de me concentrer. Ah merde. Bon bah c'est déjà raté, je pense, pour avoir tous les trucs. En fait, je comprends pas ceux qui donnent un tampon et ceux qui en donnent pas. Allez, go, reviens. Bon, ça sert à rien de passer en bas, enfin, j'ai l'impression. On va essayer de René. Mon ami René. Bon, voilà, ça devrait le faire. Là, on a joué comme des pros. Petit Yoshimoto. Allez, je suis désolé, ça fait un peu... Oh, vous l'avez senti, le ramage, là? Moi, je l'ai senti, hein. Ça allait trop vite pour la Wii U. Pourtant quand même, hein, c'est pas des graphismes de ouf non plus. Mais il est quand même vachement joli, hein, ça change de... Attention, coup de cul. J'ai cru que je m'étais noyé. Poup. Alors comment on passe en dessous? Ah. Ah, quoique, c'est moi qui ai le moins de cœur, tiens, pour une fois. Oh merde. Ah bah à mon avis comme ça. Bon bah attends, j'ai un peu raté, voilà. Ah oui. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un petit renfoncement où on pouvait passer. Ah, comme quoi, toi aussi, tu commences à avoir l'œil pour les jeux de plateforme. Yahoo! Alors lui, qu'est-ce qu'il fait là, cette... Ah oui! Je peux cracher!
Bah oui, j'ai une pastèque dans la bouche. Ah oui, d'ailleurs, avec, avec Ryoga, quand on a joué un peu au jeu, il y avait un badge, c'était pastèque infinie. Donc en gros, je pouvais mitrailler comme ça autant que je veux. On n'arrêtait pas de me recharger en pastèque. Ah non, je pense que c'est tout. Hein. On n'arrêtait pas de me recharger en pastèque, c'est un peu pété. Parce que ça permet de découvrir tous les secrets, etc. Beaucoup plus facilement de tuer tous les ennemis en un coup. Attends. Hop! Oh là là, c'est si beau! Ah merde, il leur faut un coup. À moins qu'il aille à pied, ou ça fera aussi bien le job. Hop! Et le petit Yoshi. Boom. Oh! Oh! J'ai bien fait de t'envoyer en haut. Yeah! 14 tampons. Bah, je pense qu'on en a raté un. Oh! Des pastèques! Tiens, prends-en une. Tu vois, c'est rigolo. Après, on peut péter. Wouh! Alors, par contre, faut pas tout péter, je pense. Ah là, j'ai vu. Faut aller en bas. Allez, attends, il y a un truc là. On la fait pas, il y a un truc qui brille. Oh yeah! Je l'ai vu. Ouais, va falloir passer en bas juste après. Là, je pense que c'est bon. Hop! Oh merde, le chip-chip. Voilà, je vais le gober. Ah merde, je suis bloqué. Hop là, 15 tampons. Ah non, 17 tampons. Ah, attends, il y a un autre truc qui brille là. Ah non, ça doit être la mer en fait. Non, je pense que là on est bon. Ah, par contre c'est compliqué. Ah, une autre pastèque. Hein. Je vais la prendre, je vais m'en servir pour... Ah, t'as réussi à remonter toi? Ouais. Ah oui. Oh non, il y en a une autre. Ici je pense qu'on est bon. Ah, quoique, attends. Ah non, je pensais qu'il y aurait un petit... petit truc invisible ici. Ah bah toi aussi t'as la petite pastèque. Hop hop hop. En mode Call of Duty. Call of Yoshi. Blablabla. Ah bah moi aussi. 20 sur 20. Ah bah non, finalement il y avait pas de... il y avait pas d'autres tampons dans le... Il y avait pas d'autres tampons dans... dans le petit jeu de Yoshimoto. Voilà. Ah bah il y en avait une là aussi. Bah au pire ce sera pour moi. Parce que je pense que la mienne, il lui reste plus grand chose. Ah mince! Je crois que tu l'as plus là maintenant. Vu que je t'ai avalé. Oh le pauvre petit crabe! Il s'est harcelé le pauvre. Heart, heart, heart! Ah bah là, il y en a plein d'autres si tu veux. Oh mignonne la petite musique de la plage, mais. J'ai entendu mieux pour l'instant dans ce petit Yoshi. Ah bah tiens. Ouais, j'ai vu aussi. Oh bon bah d'accord, je vais te laisser le faire. Ah, peut-être la dernière? Yes! Rouge, vert, noir, rouge, rouge. Ah, peut-être pastèque? Yoshi pastèque? Peut-être que c'est un truc... Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Ils nous en veulent, là. Ils sortaient les armes. Je pense que Yoshi pastèque... Merde. C'est clairement une éventualité. Ah, bah, dis donc. T'as pas eu la foi? Ah, mince, il nous en manque une. Bon, bah, tant pis. Hein. On va tenter la fleur, 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 fleur. Oui! Oh, deux! Ça fait quoi? Genre on a un super super niveau ou... Et dans la prochaine partie, bah on ira tout simplement faire le boss, enfin le boss du premier monde. Disons, il nous aura fallu 3 parties, 4, 4 parties pour finir le premier monde, si ça c'est pas du skill. Bon bah tant pis pour la petite fleur, franchement j'ai pas vu où elle pouvait être. Je pensais qu'on avait fait le stage assez bien, mais apparemment non. Apparemment non. Et ouais, c'est la tristesse du pou. Allez, le petit jeu bonus là. Ah, je préfère à l'autre, c'était plus simple que de viser, là. En plus, faut réussir à les gober. Hop! Alors, est-ce que ça peut faire des rebonds? Ouais, on peut faire des rebonds sur... Ah, la petite pastèque! Ça, c'est clairement pour vous aider à utiliser les badges... Oh, merde! On a même pas réussi à faire un premier plan. Oh là là! Oh là là! Le triple! On sait pourquoi on n'arrive pas à passer le deuxième plan. On vous dit merci d'avoir regardé cette nouvelle partie de Yoshi's Woolly World. On espère que ça vous plaît toujours. Et puis on vous dit à très vite pour la suite où on va faire tout simplement le prochain... ce sera le château normalement. Hein, le château de ce premier monde. Mais avant ça, on va quand même regarder. Oh, pastèque. Ah, je crois. Hein. Yoshi pastèque. Ouais, vous avez retricoté Yoshi pastèque. Bah, et le noir, c'était pour les pépins en fait. Allez, montrez-nous le petit château. Yeah, ouais. Ouf, ça ressemble à un tampon, comme château. Voilà, on vous dit merci d'avoir regardé cette partie et à très vite pour la suite. Salut.